Eh bien oui, bienvenue en ce ciel Montmardi. 14h11 à 14h11 justement. Mardi W86. C'était pour faire un double 4-1. C'est le jour où c'est en si. Et je vous dis bien si. Et si la vie, vous en avez fait une grosse tactique de merde, tous les jours t'en mangeais un petit peu. Et si quand même c'était. Le quatrième mardi pour le réveil de l'esprit, de l'âme, les trucs qu'on n'apprend pas à l'école, trucs qu'on va dire de Dieu, directeur d'adduction, d'énergie universelle, et vous écoutez que le diable, directeur d'intelligence artificielle, Berlin l'esprit, on pourrait dire comme ça. Mais comme tout est prévu dans l'espace-temps, pas de souci à se faire. C'était encore une résurrection. Ben, tu vois là, c'est ciel Montmardi, et ben normalement il y a le yoga. Ben j'y suis pas allé, moi je l'ai fait dans le plumard le yoga. J'étais en noosphère, j'étais bien. Ah, quand t'as goûté au monde de l'esprit, au monde de la matière, t'en as vraiment plus rien à foutre. Sinon j'aime bien aller au yoga, ça fait une équipe d'astropotes. Toujours en mode misère, même pas un mégot par terre. Ah, c'est dur d'apprendre miséricordieux. Les marches d'humilité à Saint-Mathieu, hein. C'est mon petit frère, tiens. C'était l'école où j'étais quand j'étais petit à Grasse. J'étais président. Je ne serai jamais président. Mais j'ai gardé mon esprit d'enfant. Tu vois, c'est une peinard. Alors le mardi, c'est en si. Le mardi, c'est sa corde en si. Et je vous dis bien si. Et si on était vraiment gouverné que par des reptiliens de mes deux. Et les mecs, il n'y a pas d'esprit là-dedans. Il n'y a que le pognon qui compte. Et si qu'avec tout ce qu'on gaspille en France avec les dates de merde, on pouvait nourrir toute la planète entière. Des trucs comme ça. Et si tout le monde arrêtait de payer ses impôts en même temps et ses PV et tout ça, on rigolerait un bon coup. Tu peux embaucher en tout le flic que tu veux et le huissier que tu veux. Si tout le monde arrête en même temps, vous serez bien dans la merde. Pas enfin, Coluche. Arrive, hein. Le laisser comme ça. Envoyé spatial, portée éternelle, reporter sans glacière ni frontière. Le problème, c'est qu'on peut même pas voyager. Il va falloir faire des dons à Télé Éternelle. Il va falloir m'inviter dans des pays, parce que nul n'est prophète en son pays. Je vais aller prophétiser la prophétisane ailleurs. Bon, il y a des pays où il n'y a pas de 8-6, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je suis né du 28-6, et ma Vierge Marie était de 86. Et si c'était vraiment une grosse enculerie, la vie sur Terre, parce que vous en avez fait, du moins le mal, enfin les collabos, les suppliots de Satan, tu vois. Là, il faudrait une petite clope quand même, merde. Même pas de quoi pouvoir se payer une clope, putain, tu te rends compte. 48 balais, 4 mois. Plus que 14 jours, là, si on est le 14, je vais 31, 17 jours. Bon, enfin, c'était là, dans l'instant que je vous parlais, on était le 14-11 à 14h11. Ça faisait pour faire deux beaux 4-1. Voilà, voilà.